Il est assez étonnant de constater que certaines personnes ont besoin, pour vivre, d'avoir des personnes qui leur rendent des comptes. Cela me rappelle mon enfance. Quand j'étais petit, forcément, mes parents me demandaient à quelle heure je sortais de cours, à quelle heure je rentrais, ce que j'avais à faire, ce que j'avais fait, si tout allait bien, etc. Et lorsque l'on a des enfants ensuite, c'est un petit peu la même chose. On reproduit le même schéma en leur demandant des comptes, en leur demandant à quelle heure ils rentrent, à quelle heure ils sortent, à quelle heure ils sont là. Et en réalité, il n'y a pas vraiment de mauvaise intention quand on fait cela. C'est simplement que l'on s'inquiète pour eux et que l'on veut s'assurer que tout va bien. Si ce n'est que cela se transforme vite pour l'autre en obligation. C'est-à-dire que cela donne rapidement l'impression de la part de la personne qui s'inquiète pour nous que celle-ci veut contrôler notre vie et veut donc tout savoir de ce que nous faisons, où nous sommes, avec qui nous sommes. Alors lorsque l'on est enfant, adolescent ou lorsque l'on est relativement jeune encore, on n'y prête pas tellement attention. Mais par la suite, cela devient un poids qui peut devenir insupportable, jusqu'à provoquer un instinct de fuite, tout simplement pour pouvoir être libre de faire ce que l'on veut, sans voir mal pour autant, mais sans avoir à rendre de compte, comme je l'ai déjà abordé dans une autre vidéo, sans avoir à se justifier. Car au-delà du fait de rendre des comptes, il y a le fait de se justifier, de donner des justifications pour tout ce que l'on fait. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce que l'on a fait? Pourquoi est-ce que l'on a fait ce que l'on a fait comme on l'a fait? Avec en arrière-plan également toujours cette impression d'être jugé. Et pour justifier ce jugement, certaines personnes vont même jusqu'à nous accuser, le cas échéant, de les rendre malheureuses si nous faisons certaines choses ou si nous ne les faisons pas. Et là, on arrive au paroxysme, car arrivé à un certain âge, on a la possibilité de vivre tranquillement. Et vivre tranquillement, cela n'est certainement pas vivre en ayant quelqu'un qui supervise notre vie. Sous prétexte, bien entendu, de vouloir notre bien. Car cela est bien entendu toujours la raison invoquée. Et on sait bien qu'il s'agit en réalité d'un prétexte pour pouvoir contrôler notre vie. Alors pourquoi quelqu'un peut-il vouloir contrôler notre vie ? Il peut y avoir un certain nombre de raisons pour cela. Il peut s'agir d'une mère par rapport à un enfant, par exemple, qui aura peur de perdre l'ascendant qu'elle a sur son enfant, par exemple. Mais il peut également s'agir d'un conjoint qui veut garder un contrôle de la vie de l'autre, de peur, par exemple, qu'il ne lui échappe. Il peut également s'agir d'un besoin de contrôle sur l'autre que certaines personnes éprouvent et ont le besoin d'exercer. Cela peut être particulièrement terrible, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un chef d'entreprise qui agit de la sorte avec ses employés, car cela se voit également. Mais dans tous les cas, il y a une multitude de situations dans la vie où, si l'on ne fait pas attention, on se retrouve à être la victime de personnes qui, pour des raisons multiples, vont nous demander des comptes et vont nous culpabiliser selon ce que nous faisons, que ce soit dans la sphère familiale, aussi bien que dans la sphère professionnelle, où on peut très rapidement nous accuser d'être un élément négatif au sein de l'entreprise dans laquelle nous nous trouvons, si nous ne nous plions pas à un certain contrôle. Personnellement, je n'ai jamais eu affaire à ce genre de situation, car je suis dans un secteur professionnel, l'enseignement, où on échappe quand même à ce genre de travers professionnel, mais cela existe très fréquemment. Dans les services où il y a des chefs de service, par exemple, un chef de service peut tout à fait avoir ce genre d'attitude, comme peut également l'avoir un conjoint, un parent vis-à-vis d'un enfant, etc. Dans tous les cas, je dirais que dès l'instant où l'on se sent oppressé par quelqu'un qui essaie d'effectuer un contrôle trop important sur nous et sur notre vie, il faut s'extirper de cette situation, s'échapper par différents stratagèmes qui permettent de ne pas donner la possibilité d'avoir ce contrôle sur nous qui aura toujours pour justification la bienveillance à notre égard, la bienveillance par rapport
à une administration, une entreprise. Il y a toujours une justification, mais à un moment donné, il faut bien se rendre compte que cela est un alibi pour exercer un ascendant sur quelqu'un, ce qui est négatif de toute façon. Pour ma part, je suis extrêmement vigilant sur ce point-là, et ayant tout à fait conscience de ces mécanismes, je ne permets à personne d'exercer un ascendant, quel qu'il soit, sur moi, pour quelque raison que ce soit. Car je pense que nous vivons dans un pays libre et qu'à partir du moment où nous n'empiétons pas sur la liberté d'autrui, il n'y a aucune raison que l'on empiète sur notre liberté. Dès l'instant où l'on respecte la liberté des autres, on doit imposer aux autres de respecter la nôtre s'ils ne le font pas de même.